Voilà, et bonsoir à tous, bienvenue sur le stream. Alors, au programme ce soir, donc découverte de Seraph. Enfin, plus exactement, de l'Early Access de Seraph. Et salut Tarian. Alors, Seraph, qu'est-ce que c'est? C'est un platformer, enfin, action platformer, où on va diriger en fait un ange qui est, enfin, une ange du coup, qui est retenue prisonnier par des démons. Et au fur et à mesure, elle va retrouver des pouvoirs et elle va blaster tout le monde. Truc sympa, a priori, il va y avoir moyen d'interagir entre le chat Twitch et le jeu. Si j'ai bien compris, Game Experience, donc là j'ai voilà, j'ai connecté les deux. Et voilà. Et du coup normalement à la fin de chaque niveau en fait vous allez pouvoir voter pour que ce soit plus facile ou plus dur en fait, a priori. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, New Game, Challenge, Upgrade, dadada. Select Miracle, c'est quoi donc là? Ok bon pour l'instant j'ai que deux hein, du coup. Bon, on verra ça. Save and exit. Hop. Ouais, hop, new game. Twitch mode standard, hard, extrême. D'accord, il y a plein de modes de jeu déjà en fait. Ok, le extrême, donc difficulté machin. Speedrun, du coup, ça fait quoi? Ça fait. D'accord, en fait ça vire tous les textes, il n'y a pas de. Ok. Voilà. Donc c'est ça, donc à la fin de chaque niveau, en fait, vous allez pouvoir voter, quoi. Ok, et bon, on va commencer comme ça alors. Alors, Blink is for full tool to navigate the level, the Nova enemy attack. Ok, donc je peux me faire des dash en fait. Attends, j'ai mon fils qui m'appelle, genre. Oh my god, Adele, I can no longer feel the presence. I'm so broken. Ok. Last to save, miss me, it's time to escape this place. Ok, donc là on nous explique qu'en gros je suis retenu par des démons. Alors, donc voilà mon personnage. Donc là je récupère un pistolet. Deux pistolets. Yotaz. Ok, donc voilà. Donc avec le stick gauche je peux me bouger hein, tout simplement. Graphiquement, c'est sympa. Tu as kiffé, Tass, parce qu'a priori, il y a moyen de troller en fait. À la fin de chaque niveau, vous allez pouvoir voter pour avoir des effets positifs ou négatifs. Ok, donc là, elle se rattrape sur les, okay, sur les plateformes, très bien. Je peux faire un double jump, très bien. Il va pas rester.
Alors, hold RT to shoot your weapons. Ah oui, c'est ça qui ce qui est assez, qui m'a troublé en fait. En gros, donc c'est du platformer shooter, mais en fait on cible pas. Le personnage va automatiquement cibler l'ennemi le plus proche en fait. Aïe. Ah oui, c'est RT, if you prefer, you can be swapped. D'accord, ouais, donc pour l'instant c'est gâchette droite, mais je peux mettre sur la petite gâchette si je veux. Ok, donc là ça m'a soigné. Ok, donc là j'ai un wall jump, très bien. Moine trollé, mais quel rapport avec moi? Ah, il perd. Non, merde, j'ai mal lu. Ah, c'était Tazminator, pardon. Pardon, j'avais confondu, excuse-moi. The floating your orbs are called mods. Collect mods to gain experience points, turning Seraph a new blessing. D'accord. Donc en gros, en collectant les machins là, je vais pouvoir level up et au fur et à mesure que je vais level up, merde, ça me permet de récupérer des pouvoirs en fait. Mais là, c'est pas ton genre, hein, t'as clairement, pardon. Dites-moi si le son ça va, si vous entendez la musique pas trop fort, etc. Today doing the no, today doing the main game, ça fait le week-end. Ok. Je peux pas passer toute la plateforme là, pardon. Ah ok, je peux blink en fait. Ah non, mais c'est là, pardon. Ok, donc gâchette gauche, ça me permet de blink. Allez, on voit en haut à gauche, j'ai deux jauges de blink en fait. Là où c'est marqué LT. Ah mais je peux blink comme je veux en fait. Ok, d'accord. Ah, je peux complètement blink. Ah ok, je les ai achevés en fait. D'accord, donc apparemment il y a certains ennemis qu'il faut que j'achève au sol, sinon ils vont peut-être se relever ou. Press RB while in front to switch to an axe. Ok. Peut-être feu expert qui est ennemi. Ah d'accord, je peux quand même. Ok. En fait, elle pisse toute seule. Par contre, avec le stick droit, je peux quand même. Je peux quand même lui mettre une direction précise si je veux quoi. D'accord, et je peux même carrément cibler un ennemi en maintenant le stick droit apparemment. Fit, Bessil, Château, Cup, Mercure, non. Ok, donc là le but c'est de trouver le lieutenant en fait à la fin du niveau là.
Ah mais il est pas mort lui. D'accord, en fait lui d'accord, il a 3 points de vie donc ok. Tous les trucs à récolter mal visibles par rapport aux éclairages, c'est mieux en vrai. Ouais, en vrai ça me choque pas, ça va. Ok, donc c'était lui le lieutenant en fait. Ok, donc tuto terminé. Hop là. Ah, c'est moche, si jamais je meurs, j'en reviens au début du niveau. Par contre, j'ai ma vie maximale qui est baissée, quoi. Alors, je sais pas du tout pour quand est prévu le jeu. Là, il vient juste d'arriver en Early Access, il y a même pas un mois. Peut-être il y a 2 semaines, même. Donc, je me suis pas... Je me suis pas renseigné sur. Bon, a priori, là, ils me disent d'aller en bas, mais. On va grinder un petit peu. D'ailleurs, comment ça se fait que j'ai pas level up là? Ça, je trouve qu'elle lève beaucoup les genoux pour courir, ça me perturbe. Ouais, tu trouves? Ah, ça me choque pas plus que ça. Hein. Alors tout est généré aléatoirement il me semble dans les niveaux. Leaper, Call Miracle, Vassin YNB, Max Mius Free Combat. D'accord, donc là en fait j'ai plein de miracles. J'ai 3 miracles, j'ai XYB là que je peux utiliser. Je sais pas ce qu'ils font mais. Ouais, X je pense c'est pour le truc pour faire les. Ça je sais pas. D'accord, et B ça envoie un boomerang d'énergie qui est très bon. Et là vous voyez, je suis en difficulté 1,05 en fait. Merde. En gros, dans ce jeu, c'est un peu comme les shoot'em up, quoi. Il y a un système de rank. Mieux vous vous débrouillez, et plus le jeu devient difficile. Je sais pas s'il y a une carte quelque part. On dirait pas. Les levels sont pas implémentés, en tout cas, ne pas avoir la barre visible, c'est dérangeant. Ah oui, le... ouais, la gestion du niveau, ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est un peu bizarre que ça se voit pas. Parce qu'on voit bien ma barre de vie, ça y a pas de soucis, mais. Le B là. Après le Y, je sais pas ce qu'il fait.
Ah, ça repousse les ennemis peut-être. Alors, dans notre fragment, on a déjà automatically combine 7 of 3 of 1. Alors, Twitch vote open. Alors, attention, qu'est-ce qui se passe? You may now vote in the chat when you find the next level for the streamer. Alors, vous pouvez taper soit Diaz good or soit Diaz evil. Voilà. Donc là, c'est à vous de choisir. Soit vous pouvez taper good, soit evil. D'ailleurs, c'est quoi? C'est evil ou evil? Non, c'est evil. En fait, evil. Ouais. Donc si vous tapez, normalement ça va être pris en compte pour le prochain niveau. Et du coup mon prochain niveau il sera plus ou moins facile. Yop, Elodia. Ta, c'est maintenant qu'il faut troller, hein. Sinon après tu arrives trop tard. Donc Elosia, tu peux taper soit Diaz Good, soit Diaz Evil. Ah voilà. Elosia, c'est quelqu'un de sympa au moins. Faut le faire, mais je suis gentil. Bah en fait, apparemment, le jeu, il y a à la fin de chaque niveau, vous allez pouvoir taper Good ou alors Evil pour influencer le jeu. Voilà, évidemment, Taz, merci. Pour le rendre plus difficile ou plus sympa en fait quoi. Pour test, évidemment, évidemment. Ah du coup c'était marqué quoi? To punish them with double the number of elite demons. D'accord. Donc là normalement il devrait y avoir deux fois plus de démons élite alors. Alors, qu'est-ce que j'ai? Clear time, machin, difficulté, donc j'étais en 1.15, shard value 1, accuracy 77%, collectable 67, data XP 41 000, donc il me faut encore 29 200 pour la prochaine, ok. Non, donc là les votes sont finis. Petite vote, ok. Evil was victorious. Streamer has been punished with double the number of fate. D'accord. Ok, donc là je vais avoir double. Ok, donc c'est écrit en haut. Ah ouais, ok. Merde, oh je l'ai pris plein de plates celle-là. Donc là je vais prendre double démon élite. Je me suis fait toucher, j'avais pas vu. Mais ah merde, c'est un mur ça. Oh putain. Là, je me suis fait troller, j'avais pas vu que c'était un mur le machin là-haut. Vache, c'est quoi ça? Pourquoi il a paru là lui? Wow. Merde. Alors en fait vous voyez toute la partie grisée en haut à gauche en fait c'est une partie c'est j'ai plus de points de vie à cet endroit. Enfin, en fait c'est ce que je disais c'est si je reviens à la vie
Ça me bouffe de la Vimax en fait. Les trois boulettes esquivées, ça meurt déjà. Ouais, non, mais là, non, je joue mal, hein, clairement. Hein. Là, on va pas se mentir. Alors, you have acquired a complete piece of. Ah, voilà! You may innovate and chat to influence the next level. Ok, bah voilà, vous pouvez à nouveau mettre Good or Evil. D'accord, donc si vous mettez Evil, j'ai un extra lieutenant, donc j'ai un boss en plus au prochain niveau. Merde! Putain, je sais même pas comment y aller là en fait. Ah si, il fallait que je passe par en haut en fait. Ou pas. Bah j'arrive pas à comprendre comment je peux passer au-dessus en fait. Ah, avec le blink peut-être? Non. Je sais pas. Tadada, donc là il y a la difficulté en bas, donc je suis en 1,30 maintenant. Ok. Point dit bonjour, ouais, c'est un peu l'idée. Alors, talala, donc prison, deck de clear. Ah, voilà, donc là j'ai level up. Donc là, du coup, maintenant je peux débloquer un nouveau pouvoir apparemment. Level, which was increased, or many anaconda. Donc déjà, j'ai la vie qui est augmentée. Et je peux choisir une upgrade ou alors augmenter une de mes blessings. Enfin, ouais, d'accord. Je peux. Ok, donc en fait il y a tout un tas de blessings, de bénédictions à débloquer, et une fois qu'elles sont débloquées, on peut augmenter leur niveau en fait. Ok, non. Donc là, si je tue un démon, je gagne Bloodlust. C'est pas mal ça. Ouais, ça je suis pas fan. Increase experience from the mod drop. Ouais, pourquoi pas. C'est pas un nothing in mind, feel ill. Ouais, non, je vais prendre le berserk. Tac. Ok. Donc là, actuellement, en blessing, j'ai Bloodlust. Très bien. Et hop, le crime. T'arrives trop tard pour voter, tant pis pour toi. Donc en fait, à la fin de chaque niveau, vous allez pouvoir voter. Bah, tu verras, il y a une petite commande qui apparaît dans le chat. Tu peux voter Good or Evil pour. Suivant si tu veux m'aider ou pas. Voilà. Je suis sûr que j'aurais dû marquer sur Twitter le coup de la possibilité de troller dans le chat. Je suis sûr que ça aurait ramené du monde, quoi. Donc là, il y a 50-50. Donc quand il y a 50-50, alors soit c'est au hasard, je sais pas. Ou alors là, il est en cool. Ouais. Donc là, il était sympa avec moi le jeu. Donc j'ai des cooldowns réduits sur mes miracles en fait. Mais quel con!
Merde. Est-ce qu'on est remboursé, je suis sûr, c'est... C'est possible que ce soit comme ça en plus, hein. Mais quel tocard. Oh, j'ai un fusil d'assaut. Ok, cool. J'ai un fusil d'assaut. Ouais, très bien. Ah merde, il y a peut-être des balles en fait dans le puits d'assaut. Ah putain. Quelqu'un a vu s'il y avait des balles dans le puits d'assaut? Mais non. Alors le vote qu'il y avait en fait c'était pour aider ou pas au prochain niveau. En gros, à la fin de chaque niveau, le chat peut voter pour savoir si le prochain niveau va être plus facile ou plus difficile. Donc là par exemple, c'est le bien qu'il a emporté, donc j'ai des cooldowns réduits sur mes pouvoirs spéciaux, voilà. Et le niveau d'avant, évidemment, il m'a mis Evil et du coup j'ai plus de mobilité en fait. Et par contre, ça manque d'une map en fait. Je trouve sincèrement que ça manque d'une map pour voir un peu où on est. Ah, c'est maintenant que je le trouve, celui-là. Donc là, il faut que j'ouvre la porte. Merde. Ça je trouve c'est pas super bien foutu les décors, et des fois je me les prends parce que je vois pas trop. Tiens, on fait comment dire pour changer d'arme? Mais ah merde, d'accord, je m'étais. Putain, j'étais en trigger sur le machin. Voilà, donc là maintenant, voilà. Vous pouvez voter Good or Evil. Si vous votez Evil, d'accord, le prochain niveau, si vous votez Evil, j'aurai des cooldowns plus longs sur mes sorts. Je vais aller voir par là-bas quand même. Ok, donc là j'ai un double dégât. D'accord, donc là j'ai un checkpoint. Donc si jamais je meurs, je vais revenir à ce niveau-là, quoi.
donc en fait, il y a le même principe que les ranks dans les HMAP, plus mieux vous jouez en fait, et plus la difficulté monte. Donc là par exemple, je suis en 1,43, alors qu'à la base j'ai commencé, j'étais juste en 1. Je vais fouiller encore un tout petit peu là. Mais vraiment, ouais, ça manque de pas avoir une carte dans ce type de jeu, quoi. Donc là, le X, c'est certains mobs sont un peu plus forts et en fait, faut les achever au sol. Là. Quand vous les détruisez. Ok. Et donc là, j'ai récupéré une pierre qui me fait apparemment 13% de protection physique, protection 13% de protection impie et voilà. Boss en poule, c'est marrant. L'essai de reduce, c'est trop gentil, c'est pas évident. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas. Hein. Alors, clear time, tatata, la difficulté. J'ai récupéré deux shards, donc l'XP, donc encore 23 000 et je pourrais level up. Donc, les current blessing pour l'instant, j'ai que celui-là, j'ai que le blue blast à 1. Continue. Donc, il y a là un principe de roguelike hein, où on va débloquer des passifs au fur et à mesure. Alors, après, je sais pas trop comment ça marche. Si je meurs, je pense que je recommence à poil, mais. On verra. Ok, donc le coup a réussi. D'accord, donc là je commence directement, j'ai le assault rifle MK2 quoi. Cool. Donc j'ai un fusil d'assaut là. Ok, avec 48 balles en fait, très bien. Donc là maintenant je suis à 1,60 en difficulté, ça continue à monter. Oh mais non. Putain, je me fais toucher par ça quoi. Donc on joue une ange qui s'est fait emprisonner en fait par les démons. Et donc là on est en train d'essayer de s'échapper. En fait, au fur et à mesure, on va retrouver nos pouvoirs. Allez, ça, t'es même pas demandé le point histoire. Merde. T'es même pas demandé le point histoire, quand même. C'est quoi ça? Secteur lockdown. Oula. Je sais pas ce que c'est le truc de secteur lockdown, mais. Ok, donc là j'ai récupéré des munitions pour le fusil d'assaut. Mais je sais pas du tout ce que c'était là le coup du secteur lockdown. Je l'ai pas vu là.
Ah merde. Les environnements sont pas toujours très lisibles. Là par exemple, vous voyez, j'avais pas vu en fait que là il y avait une porte en fait. J'avais pas vu que je pouvais juste passer à cet endroit-là. Mais non, mais quel con! Faut vraiment que je pense à dasher là pour éviter les ennemis. J'ai un dash qui paraît super fort et j'oublie toujours de l'utiliser. J'ai quand même pas beaucoup de points de vie là. Ça pue un peu quand même. Oh putain, les violettes, elles me suivent. Oh mais ta rame quoi. Pour le point Tintin, on vous dégoûte. Voilà, donc si jamais je meurs, hein, ce qui vient d'arriver malheureusement à l'instant, en fait comme vous pouvez voir, j'ai moins d'énergie max en fait. Je reviens à la vie. Par contre, j'ai toute une partie de mon énergie qui est grisée en fait. Oh le bâtard! Oh tiens, il y a un coffre par là. Faut vraiment que je pense à utiliser plus mes pouvoirs en fait, c'est super fort. Mais vraiment, je regrette qu'il n'y ait pas de carte pour justement pour être sûr d'être allé partout en fait. Surtout que bon, on va pas se mentir, les niveaux ça ressemble quand même pas mal quoi. Enfin, les environnements ça ressemble beaucoup hein, donc. J'ai plus que 18 balles là sur mon fusil d'assaut. C'est quoi ça? Alors attendez, j'ai découvert un autre truc. Donc là, moi j'ai une améthyste qui me fait 13-13-0-18. Ah, je peux avoir la même qui me fera 13-13-0-40. Ok. Ah d'accord, en fait c'est des bonus, par contre si je prends des dégâts, ils prennent des dégâts également, et après ils peuvent péter en fait, ok. D'où la durabilité en fait. Ouais donc faut pas se vautrer en fait quoi. Voilà. Alors attends, si vous votez Evil là, ça détruit mon arme principale? What? Et je fais comment après sans arme principale? Alors soit vous votez Good, ça me fait double dégâts, soit vous votez Evil, en ce cas j'ai plus d'arme principale. Faites pas ça, hein.
Attends, on a besoin de toi, faut voter. Ok, donc niveau 4 terminé. Ah, level up, c'est bon ça. Alors level up. Alors du coup voilà, donc là soit je peux augmenter mon Bloodlust. Dans ce cas-là, au lieu d'avoir 4 secondes, je crois, ou 5, là je passe à 6 secondes. Donc j'ai gagné 25 points de vie également. Donc il y a ça qui peut être pas mal également. Je prends quoi? Je prends l'XP ou je prends ça? Ouais, je vais prendre l'XP, on verra bien. C'est vrai, pas eu de coude. Continue. Ah mais du coup je crois qu'il y a eu qu'un seul vote, Yvonne, donc Merde. Alors, ça marque que ça m'a pété mon arme principale. Alors du coup, je sais pas, c'est peut-être le... C'est mon fusil mitrailleur en fait que j'ai perdu dans le... Mais quel bougol! Je pense que c'est ça que j'ai dû perdre. Hein. Bah je sais pas si ça fait rien ou alors parce que tu vois là j'ai plus de pistolet mitrailleur. Et à mon avis, mon fusil mitrailleur, j'aurais sûrement gardé quand, vu qu'il me restait des balles dedans. C'est après me péter mes flingues, ça paraissait quand même bizarre, parce qu'honnêtement, après, c'est impossible quoi. Ça m'a complètement verrouillé le truc. Ah d'accord, c'est ça le lockdown en fait, ok. En fait, les lockdowns, c'est vous voyez, j'ai les portes, elles sont verrouillées. Pendant 40, enfin 50 secondes, je sais pas combien, je peux pas sortir de mission. Mais non, mais putain, pourquoi j'étage dans ce sens-là, quoi? Allez, c'est sportif, hein, quand même. Alors, attends. Ça, oui, je suis trop occupé pour voter. Mais c'est traduit, je sais pas, ouais. Enfin, même pas traduit, c'est en anglais, je tire de frappe, ouais, je sais pas trop. Ouais. Je voulais casser le jeu, moi. En même temps, le jeu, déjà.
Il est déjà comme relativement difficile, même sans me faire troller. Mais purée, évidemment. Ok, donc là c'est la sortie. Donc là, a priori, avec toutes les shards que j'ai récupérées, on va pouvoir débloquer des nouvelles skills. On va pouvoir débloquer de nouvelles skills depuis le menu une fois que je serai mort. Avant la prochaine partie. Je pense que je pourrais jouer avec autre chose que ce que j'ai en XYB là en fait. Il y aura des autres trucs à débloquer. Mais putain. Mais merde! Tellement mal joué. En fait, ce qui est sale, c'est les démons qui se téléportent d'un coup, voilà, comme ça. Voilà, et ceux-là, ils sont juste horribles, quoi. Ok, donc en fait on les voit se téléporter au début quoi. Ah, s'il te plaît, téléporte encore plus vite sur moi. Hein. En gros, dès que je vois que ça téléporte au visage quoi. Vous pouvez voter à Good or Evil. Ah, sachant que si vous votez Evil, c'est double démon élite au prochain niveau. Pour l'avoir déjà testé, c'est très moche. Merde, elle est fermée cette porte. Ah, il faut que j'essaie de voir s'il n'y a pas moyen de la... Voilà. Jasper, il fait quoi? Il donc réduit dégâts physiques. Ah, il est pas mal, ça augmente mes points de vie. Ah, c'est, j'ai enfin à nouveau le fusil d'assaut. Alors, attends, j'ai quoi? J'ai un R9 MK1 et je peux avoir un submachine gun MK1. Ouais. Ah mais je me demandais tout à l'heure pourquoi ça m'avait zappé d'armes. En fait c'est parce que la petite gâchette ça sert à la fois à ouvrir les coffres et à changer d'arme. Et du coup si des fois j'essaie d'ouvrir un coffre et que ça merde, et bah ça me change d'arme en fait. Ok. Tu as le random. Ouais, le blink il est cool. Il est très très cool.
Ok, la prison. Oh, level up. C'est bon ça. Alors, Bloodlust, ok. Demelec machin, ok. Percent de chance that bullet explose for 10 holy damage and contact with demon. Ça se peut être pas mal. On va prendre ça, allez. Je sais absolument pas combien de niveaux. On verra. En tout cas, pour le moment, j'aime vraiment beaucoup. C'est vachement dynamique, c'est super sympa. Ah, nouvel environnement. Merci à Nazariam, le souvenir à l'intérieur, Connor et moi. Ok, 50-50, ouais, du coup, quand c'est 50-50, a priori, c'est toujours Good qui passe, quoi. D'accord, hein. Du coup, je peux blink super, super souvent, en fait, ok. Là, je venais juste de me. Juste de m'habituer au. À l'ancien environnement, et du coup, vu qu'on a changé, maintenant les coffres ils ressemblent plus tout à fait aux coffres des autres, quoi. Ouh, c'est quoi ça? Ok. Ah non, pas eux, ils sont tellement relous. Hein. Il y a quand même un problème de. Ouais. Je trouve qu'il y a un petit problème de lisibilité quand même. Vous voyez par exemple les poteaux là, je sais pas si je peux passer à travers, s'ils sont des murs, si. C'est un peu dommage. Hein. Ah, ce riff MK1. Non, je vais garder ce que j'ai là. Des combats sympas. Mais c'est déjà fini là? Ok, bah vous pouvez voter. Vous pouvez voter Good or Evil. Sachant que là, Evil, ça va augmenter la difficulté. Là, je suis à 2,04. Si vous votez Evil, ça augmente de 0,5. Bon, en fait, c'est tout écrit sur le chat. Merde!
Merde! Ouais, du coup, là, je sais pas si j'ai fouillé par là ou pas. Ouais, a priori, si. C'est fort en fait de... C'est quoi ça? New Log Entry. Ah, il y a d'XP en dessous là, hop, voilà. Ok, plus là. C'est con du coup qu'il n'y ait pas grand monde sur le chat aujourd'hui quoi. Pour une fois que je suis en jeu avec interaction avec le chat. Hein. Au pire j'en streamerai sûrement la semaine prochaine, mais je marquerai, je préviendrai un petit peu pour essayer d'avoir du monde hein, pour tester le Good Evil. Quoi. Tac. Le crime lui vote toujours qu'après. Le crime il attend que ce soit fini, et seulement après il vote, pour être sûr. J'ai quoi? J'ai Christian of Hide Security. Ok. Merde. Non, en gros, dès qu'il disparaît, c'est votre merde. Mais vous arrêtez de gratter, s'il vous plaît, non? Oh, mais c'est pas possible, quoi. J'ai trop trop mal joué, là. J'ai mes mains sur... Ah oui, Fury, alors ça donne quoi, quoi? Ça donne quoi, Fury? Fury, ça m'a... Ça m'a... Oh, j'arrive plus à parler. Il m'intéressait énormément, ce jeu. Oh non, ah, je vais tellement mourir là. Ah mais non, mais fallait pas que... Oh, comme si.
plutôt cool, voire super cool, d'accord. Ah, j'ai tellement fait nimp là, je suis dégoûté. Mais là, je m'en mêle encore avec les boutons en fait. Pourtant, ils sont bien placés, hein, c'est pas le problème, mais c'est juste, je fais n'importe quoi. Ok, donc là vous pouvez voter un goût de rival pour me mettre un double boss au prochain niveau. Ou un truc cool. Pour me filer quoi, un Jasper Ring. Je sais pas ce que c'est. D'accord, donc là c'est un checkpoint, donc du coup si jamais je meurs, enfin si je fais un game over, je pourrais repartir d'ici en fait apparemment. C'est un peu bizarre de pouvoir recommencer. On verra. Oh. Revolver M15 un mot, mais ah non, mais d'accord, c'est des munitions, pardon. Alors, c'est le boss rush où chaque combat hors speedrun de Fiu a duré minimum 10 minutes. Il y a un boss qui dure 45-60 minutes, d'accord. Un seul boss que j'ai réussi à tuer. GG. Il m'a fallu 15 minutes pour en voir le bout. Si, il y avait une vidéo avec du perturbateur. Hein. Bref, j'arrête de spoiler, mais... mais... Oh merde! Vous savez, je vais encore me balader un petit peu hein, pour récupérer de l'XP. Hein. Bien joué. Ok, de la Nazori, hop. Mais d'ailleurs il sort bientôt, je crois qu'il sort dans un ou deux mois, non? Maxi là. Peut-être même moins d'ailleurs. Mais du coup c'est que du boss rush en fait. Je pensais qu'il y avait deux trucs entre les boss, mais ok. Yeah, level up. C'est quoi celui-là? Smite attack, ralenti. Ah, ça c'est bon, ça me soigne quand je fais un smite. Ça je veux. Du coup, après le jeu, je pense qu'on fera un petit peu de Diablo 3. Ah, du coup, il y a le qui est revenu. Genre boss qui dure, Malakai dans PoE, c'est pas... Ouais, clairement. Ouais. Alors j'ai quoi? J'ai un Jasper Ring. Alors qu'est-ce que c'est un Jasper Ring? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je vois pas le Jasper Ring. Quoi. Ah si, c'est ça peut-être? Ah voilà. D'accord. Ouais, du coup, grâce à vous, j'ai 16% de physical reduc. 52 en points de vie et 60 de... Bien. Bah merci.
Ouais, donc vraiment dès qu'on voit le... Ah putain. Dès qu'on voit l'espèce de nuage violet, faut directement dash en fait. Ouais, voilà, bien joué, je l'ai vu, je l'ai pas dash. Mais qu'est-ce que fait ce boss là qui jouait qui faisait kangourou là? Je suis tellement dégoûté de m'être fait toucher encore. Très très mal jeu. Le jeu sort au début de l'été, d'accord. Je sors jamais, il y a de la balade narrative, pas vu, voilà présentement, d'accord. Si tu joues pas en live, le jeu il fait quoi? Bah le jeu il en fait tu t'as plusieurs modes de difficulté. T'avais normal, difficile, etc. Enfin, t'en avais plein, t'en avais au moins 3 différents. Et après bah du coup si tu joues et après t'as le mode Twitch. C'est encore un mode différent de difficulté quoi. Et sinon quand tu joues en normal, bah ça augmente au fur et à mesure la difficulté quoi, tout simplement quoi. Voilà, c'est ça, y a pas de bonus ou malus quoi. Ton jeu il va augmenter en difficulté au fur et à mesure que tu vas avancer, mais c'est tout. Mais là du coup celui-là ils l'ont pas mal entendu, enfin ils l'ont pensé pour les mecs qui stream parce que donc il y a déjà cette intégration du vote en fin de truc. Et t'as aussi une option dans les menus en fait pour laisser une place dans l'interface pour mettre la webcam. Du coup si tu fais ça il te laisse une place en fait à l'écran où il n'y aura jamais rien d'intéressant d'affiché pour que tu puisses mettre ta webcam à la place quoi. Ouais, donc là maintenant quand je spawn les ennemis ça me rend un peu de points de vie en fait. Et ça c'est cool. Mais c'était quoi ça? Ah, j'ai tellement fait n'importe quoi. Il les sort d'ailleurs sur PC vu qu'il gère la webcam. Aucune idée. Vraiment, je me suis pas renseigné du tout ce que je disais. Non. Je croyais qu'il était mort lui. Putain, j'ai fait me faire avoir une deuxième fois pour les mêmes raisons. Ok, donc vous pouvez voter pour me faire un double dégât ou alors ah, pour avoir d'accord, pour avoir un secteur lockdown, vous savez, c'est le truc tout à l'heure là où il y a la grande pièce qui est fermée avec plein d'ennemis qui attaquent. Double dégâts, ok. Papa, il fait quoi celui-là? Ouais, non, il est encore mieux succès. C'est quoi ça? Ah, mais d'accord, en fait, il y avait un coffre qui était derrière le poteau, en fait, tout simplement.
n'importe quel streamer, même débutant, c'est que plus man sur les hoods, même moche, donc intégration aucun. Ouais, mais tu sais, y a pas mal de gens qui. Y a pas mal de gens qui aiment bien mettre. Enfin, tu sais, qui s'en foutent, ils mettent directement la webcam sur l'aire de jeu en fait. Et du coup, ça te cache une partie de l'aire de jeu, quoi. Alors que là, au moins, bah, t'es sûr que dans cette aire de jeu là, il y aura jamais rien d'important, quoi. Ah mais non, c'est tellement nul ce que j'ai entendu, ce que j'ai fait là. Yo Picouz, pour voir si c'est vers un. Ah bonne idée. Reste, il débug le jeu en ce moment. Ah merde! Je l'ai pas vu. Ah attends. Bon, honnêtement, cela ça va en fait. Une fois qu'on a bien capté les timings là, de téléportation, là, ça va. Alors si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à les poser, parce que là du coup c'est un petit moment que j'y joue, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qui était possible à voir. Enfin à comprendre en tout cas. Pour résumer rapidement le jeu, donc on joue un ange en fait qui se fait emprisonner. Et au fur et à mesure de l'aventure on va récupérer nos pouvoirs. Donc il y avait j'ai le droit à trois pouvoirs qui sont en bas de l'écran avec des cooldowns. J'ai le droit à des blinks aussi pour me téléporter rapidement d'un endroit à un autre. J'ai un pistolet, enfin j'ai un double pistolet de base, je peux récupérer d'autres armes dans le jeu également. Sachant que le jeu il cible automatiquement l'ennemi le plus proche en fait. Donc j'ai pas besoin de cibler. Alors je peux cibler si je veux vraiment pointer quelqu'un en particulier, mais sinon le jeu il le fait automatiquement. Il y a une feature en fait qui fait qu'à la fin de chaque niveau vous pouvez voter en mettant Diaz Good or Diaz Evil pour dire si vous voulez que le prochain niveau soit plus ou moins difficile. Donc là par exemple là, ils ont voté Diaz Good en majorité. Donc normalement j'aurai double dégâts au prochain niveau. Et au fur et à mesure on va récupérer également des passifs en fait. Un petit peu comme un roguelike. Au fur et à mesure qu'on va choper de l'expérience, on va level up et choper des passifs en plus. Voilà, donc là actuellement j'ai 4 blessings. Donc j'ai Bloodlust qui fait que quand je tue un démon pendant 5 secondes, j'ai mes dégâts qui sont augmentés de 5%. J'ai la démonique litanie qui fait que je récupère plus d'XP. Bless Ammunition qui fait que quand je tire, il y a 10% de chance que ça explose, ça fasse une petite AOE de dégâts sacrés. Et le Healing Exercice qui fait que quand j'achève un ennemi au sol, je récupère 5 points de vie. Enfin 5% de vie. Hop là, voilà. Et donc là, c'est écrit, donc fin du vote. Et du coup, au début du niveau là, ça va m'afficher si c'est Good ou Evil qui sont passés, est-ce que ça a comme effet, quoi. Voilà. Bon voilà, c'est good, on voit qu'il y a le double dégâts qui apparaît directement. Donc, Et du coup, ton evil est bien été pris en compte, hein, t'as vu, parce que vous avez voté good, 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 et après evil, et ça vient de marquer de rien, donc c'est bon. Hop. Donc dans les niveaux, il y a des coffres à récupérer, pour récupérer de l'expérience en fait, tout simplement. Et globalement, pour chaque niveau, le but c'est d'aller péter le cadenas du niveau en fait pour récupérer une clé et avoir à la suite
Là, tu vois, il y a une flèche blanche qui m'indique par où faut aller. Et en gros, et le jeu, c'est un peu comme le jeu, c'est un petit peu comme comme les choses à meuf, en fait. Mieux on va jouer, plus il va devenir difficile, quoi. Donc là, par exemple, vous pouvez voir en bas à gauche que je suis en difficulté 2,64, quoi. Merde. Donc quand j'ai commencé le jeu, j'étais en 1, je crois, hein, vu que j'ai commencé en normal. Et au fur et à mesure, la difficulté elle augmente petit à petit. Sachant qu'en mode extrême, je crois, on commençait directement en difficulté 7, quoi. Donc, autant dire, ça va pas bien rigoler, quoi. Merde. En sachant que le pouvoir que j'ai en bas au milieu, hein, donc il y a le X en fait, c'est le smite, ça me permet d'achever en fait les démons costauds là, comme celui qu'on va, celui que je vais tuer là. En fait, faut que je les achève au sol, sinon après ils s'enlèvent. Hein, voilà. Donc ça me permet de faire ça. Le Y au-dessus, ça me permet de repousser les ennemis et les projectiles. Et le B, ça envoie une espèce d'onde de lumière vers l'avant et qui revient vers moi après, un peu comme un boomerang, quoi. Ah merde! Ah non! Hop hop hop, voilà, donc là c'est le boss du niveau. Donc là on va changer d'arme. Ok, c'est bon. Donc voilà, donc là vous pouvez voter good ou evil. Si vous votez good, je récupère un fusil d'assaut. Et si vous mettez evil, ça me sûrement me péter mon. Bah, vous pouvez voter evil pour voir, ça me pète mon submachine gun. Non, alors je suis un peu blasé parce que j'ai 222 balles, mais c'est pour tester en fait. Hein. Ah merde, je l'ai pas vu. Donc si vous pouvez voter evil. Ça m'arrangerait. Ah non! Alors, désolé pour le sujet bestiaux, mais toi qui étais sur son stream, c'est sérieux le rip de Gromic à cause de son chat? Ah, j'ai pas vu. Ah non, mais pas de soucis pour leur sujet, hein, y a aucun problème. Je sais pas du tout, moi je suis parti à 18h en fait, j'ai coupé le stream à 18h quand je suis parti du boulot, donc j'ai pas pu voir. Mais après, je sais que ce soir il voulait tenter des failles violentes, donc. Donc c'est possible, hein. Ah ok, d'accord, je suis en lockdown, j'ai pas vu. C'est pour ça que j'ai plein d'ennemis qui m'attaquent là. Bon après, même s'il est mort, je pense qu'il y a quand même pas mal de pièces de côté pour ça remonter un perso assez rapidement, quoi. Bon après, c'est vrai qu'il avait un stuff de boucher quand même.
Ah mais non, mais d'où il m'a touché, lui il était pas mort. Pourquoi il était pas mort? Donc là je suis en train de terminer de fouiller le niveau hein, pour voir si j'ai rien oublié, s'il y a rien à récup. Bon, a priori là je suis allé partout. D'ailleurs c'est cool Gromy que je connaissais pas, hein. J'y vais que depuis hier sur stream, elle est bien sympa. Hein. Ok, fin de niveau. Bon, je vois pas trop comment il aurait pu mourir à cause de son chat par contre. Ok, ta-la-la-la, très bien. Ok, ok. C'est presque bizarre qu'il n'y ait pas de boss en fait, enfin vraiment de gros boss dans le jeu. Merde! Ah bah là, voilà. Ouais c'est ça, tu vois là du coup j'ai plus la... j'ai plus l'autre arme que j'avais quoi. Donc c'est bien ça en fait. Hein. En gros c'est un peu mal traduit quoi, c'est pas vraiment l'arme principale, c'est... C'est marqué RIP, le chat a éteint le PC. Ah, ah du coup effectivement oui comme ça peut marcher ouais. C'est sûr que s'il y a son chat qui a joué avec les fils Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait une flèche qui m'indiquait où était la porte que je déverrouillais avec le switch. D'accord. Nickel ça. Du coup donc là il y aura du double dégâts. Ok donc checkpoint. Donc là si jamais je meurs... Si jamais je meurs j'en reviens là en fait. Hop, assaut. Et un petit double dégâts qui veut bien aller. Il y a une barbarie pour saison 6 et 48 heures de jeu, ça correspond. Ah oui, bah complètement. Ah non, pas 48 heures. Ça ferait que 48 heures qu'il jouerait. Ouais, remarque 48 heures, oui, c'est comme pas mal. Enfin, ça a commencé quand vendredi? C'est samedi, dimanche, lundi, mardi. Ouais, tu veux être frais ça, ouais. Oui, parce que du coup, je pense pas qu'il ait monté un perso 48 plus un autre perso. Ouais bah... Merde. Ah putain c'est un secteur lockdown, j'avais pas vu. Alors secteur lockdown hein, vous pouvez... Vous voyez en fait il y a des... vous voyez les portes elles sont rouges là. C'est que je peux pendant 40... enfin pendant 50 secondes on va dire, je suis bloqué à... Je suis bloqué par une embuscade en fait. Bon, sachant que là j'ai le double dégâts donc voilà, donc je me fais quand même ouvrir en deux, bravo. Ok, c'est bon. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais jamais de la vie, j'ai fait ça. C'est pas vrai. Merde, il est revenu à la vie. Voilà, donc lui, comme j'étais pas allé là... Comme j'étais pas allé à le smite, bien joué, il est revenu à la vie.
C'est un jeu Steam, ouais, il est en early access sur Steam actuellement. Il est arrivé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il est arrivé la semaine dernière, je crois, il y a 2 semaines maximum. Alors par contre, je me suis. C'est con, j'aurais dû me renseigner, je ne sais pas du tout où ils en sont au niveau développement. Je sais pas s'il y a déjà une date de sortie qui est prévue, etc. etc. J'ai mal fait mon boulot. En tout cas, je trouve ça vraiment plaisant pour l'instant, quoi. C'est ultra dynamique, c'est vraiment cool à prendre en main, quoi. Et après, j'ai hâte de voir, là, quand on va mourir, les différentes upgrades que je vais pouvoir débloquer, en fait. C'est apparemment avec toutes les charges que j'ai récupérées, là, en jouant, je vais pouvoir... Merde, je vais pouvoir débloquer des nouveaux sorts, nouvelles compétences. Oh là. Non, mais non, mais non. Pourquoi j'ai dashé dans le sens lent? Pourquoi j'ai dashé dans le sens lent? Rubicon, tu fais quoi celui à 25? Ouais, ça je prends. Putain, c'était quiche sans rire, quoi. Donc sachant hein, ce que j'avais dit, hein, si jamais je meurs, hein, qui vient d'arriver là, en gros la punition c'est que j'ai mes points de vie max qui baissent. Là vous voyez, il y a toute une partie de ma barre de vie en haut à gauche qui est grisée maintenant. Et qui reviendra pas avant le prochain niveau. Oh! Oh, j'ai tellement fait n'importe quoi. Ça je prends, ça je prends. Hop, on va prendre ça aussi. Donc là il y a les portes, les fontaines de terminus à péter pour débloquer l'accès au prochain niveau. Mais non, mais non, mais non, mais arrête d'être con! Putain, je me suis pris double dash en quoi. Ah oui, bon, trop vite à attaquer quoi. En gros, dès que je vois qu'ils vont arriver, il faut que je me barre direct quoi, parce que. Ok, donc là c'est bon. Hop. Tac. Donc là vous pouvez voter à nouveau. Donc là le vote c'est quoi? Soit vous pouvez me baisser mes cooldowns, soit je peux avoir un blink plus lent, quoi. Et là, ouais, j'ai déjà fait 5. Ok, fin de niveau.
au jeu, non, ils indiquent l'état comme étant alpha, c'est enthousiaste. Ouais, mais clairement, quoi. Clairement, comment? Yop, yop, comment ça? Bah Yang, tu peux jouer, tu peux voter soit good, soit evil sur voilà. Bon, bravo. Ouais, franchement, il est c'est super plaisant à manier. Honnêtement, c'est vraiment plaisant quoi. C'est qui est bien? Ce mode ninja 30 secondes, scandale. Comment ça, un slowdown? Y a pas de slowdown. Ah tiens, j'ai level up. Alors, du coup, comme j'ai level up, je vais pouvoir monter un truc. Je pense que j'ai monté le soin. Oh, 6% avec 5, c'est moche quand même. T'as les passifs, tu peux les augmenter, mais c'est pas ouf comme ils augmentent. Hein. On va quand même prendre ça, mais. Et continue. Bah, je sais pas combien d'environnements implémenter en fait. Votre message n'a pas été envoyé car il a un petit message. Ah oui, voilà, il y a peut-être ça aussi, ouais. Ah, nouvel environnement. Pour être honnête, je pensais pas qu'il y aurait autant de niveaux, quoi. Ok, donc là j'ai un slower blink recharge. Ok, ouais, bon. Ok, donc là les. Ok, donc là. Les coffres, ils ressembleront à ça, très bien. Ah, vraiment j'ai hâte, merde, j'ai hâte de voir les autres pouvoirs disponibles en fait. C'est vraiment cette base, j'ai trouvé vraiment cool déjà donc. D'accord, donc apparemment l'espèce de serpent et les ennemis ils peuvent se soigner. Donc les ennemis comme ça, ceux qui ont des points de vie en fait, il faut que je les achève au sol. Hein. Ah merde, c'est pas en. Non. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais jamais de la vie. Voilà, donc là, ça c'est un gros boss. Ah, mais d'accord, ça repousse pas vraiment les. Eh, mais au fait, j'ai un fusil d'assaut, j'avais oublié. Ok, donc là, bah, fin des niveaux. Donc là, vous pouvez voter good or evil, hein, si c'est ce que vous voulez faire. Donc good, je vais avoir l'inverse de ce que j'ai actuellement, donc un blink plus rapide. Et evil, j'aurai plus de monstres élites. C'est sale, ça, les monstres élites. Ah, il y a une porte à ouvrir. Hein. Donc ouais, apparemment, en fait, les portes là, ça ressemble un peu à des magasins, finalement, quoi. Il faut à chaque fois que je trouve l'interrupteur et... Donc là c'est la sortie, mais moi j'aimerais bien trouver l'interrupteur pour ouvrir la porte qui est en bas à gauche. Je pense que l'interrupteur il doit pas être loin. Hein.
dois être dans le coin à mon avis. Ah il est là l'interrupteur. Ouah mais pour on voit. Ah mais d'accord. Ok l'interrupteur il est caché derrière le poteau quoi. C'est très moche. C'est très très moche. Ah non. Comme ça attaque. Le petit point de sauvegarde. Revolver ça ne m'intéresse pas. Il y a encore un coffre par ici. Un petit double dégât qui me servira à rien, mais bon, c'est pas grave. Ok, ils volent, hein, c'est devant des enfoirés. J'aurais dû time out les gens avant. Ok, 100%, GG les mecs. Bon bah là ça va être l'horreur. Ça va être complètement l'horreur parce que vraiment les monstres élites dans le jeu. Il rigole pas bien, voilà. Bah déjà lui c'est l'angoisse totale. Quand ils sont tout seuls ça va, hein, mais... Allez, hein. Ouf. Oui, bien joué. Qu'est-ce qu'il m'a touché? Ah merde, il y avait un truc au sol, je l'ai pas vu. Putain. Ah, eux ils tirent, ils attaquent juste beaucoup trop vite quoi. Mais merde! Quand je le dis qu'ils attaquent trop vite quoi. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un petit coffre avec du soin là? Ce serait pas mal ça. Ah moi le petit coffre avec du soin, je serais partant. C'est pour toi qu'on fait ça, tu gagnes plus d'XP. Ça les poutre, ah, ça les poutre, mais je suis quand même à 0 vite. C'est quoi ça? Après ça que ça fait plus d'XP et en plus vu que c'est des monstres élites, si je les tue je récupère des points de vie. Oh là là. Merde. Je me suis fait couper en deux. Voilà, et du coup Yang, comme tu peux voir en fait quand je meurs. J'en reviens à la vie, par contre, il y a une partie de ma vie qui est grisée en fait. Et que je ne peux pas récupérer avant le niveau prochain. Donc autant dire qu'il faut pas trop mourir, sinon ça devient vite l'angoisse quoi. Ah non, on peut commencer à me parler sur Skype. Hein. Il n'y a pas de tulpe qui tienne, monsieur. Et sinon, ouais, c'est comme les shmups en fait.
tu vois, en bas à gauche, t'as la difficulté qui va augmenter au fur et à mesure. Donc mieux tu joues et plus ça monte en difficulté. Je vais juste aller mute Skype pour éviter le tulip intempestif. Voilà, merci. Donc là, à nouveau, un cristal a pété, hein, mais bon, qui dit cristal a pété dit plein de qui va arriver pour te défendre. Donc là, pour l'instant, j'ai trois pouvoirs. Hein, donc le sud-gauche, c'est le smite hein, qui me permet de les achever quand ils sont au sol. J'ai le B qui me permet de balancer une sorte de boule qui fait aller-retour, qui fait des bons gros dégâts, une espèce d'ombre de lumière. Hein. Et celui du haut, le Y, qui me permet de repousser les ennemis et les projectiles. Ah la vache. Et donc apparemment je vais pouvoir débloquer des nouveaux... Pfff ta mère. Des nouveaux pouvoirs avec, avec les shards que j'ai récupérés pendant ma run. Oh mais putain, pourquoi j'ai blinké comme ça? J'ai fait tellement n'importe. Bien joué ça. Un truc qui est beau, c'est que je sais qu'il balance des espèces de shuriken quand il se téléporte, mais je les prends quand même. Et ça c'est le beau jeu. Donc là il me reste encore une fontaine rouge à péter. J'ai juste exploré un peu si jamais il y a des trucs à récup avant. Mais c'est Dark Souls. Exactement. Je pense qu'ils l'ont pas appelé Dark Souls pour pas avoir des problèmes de droit, mais. Oulala. Alors si je les achève pas au sol, hein, les ennemis qui ont plein de points de vie, bah, ils s'en relèvent en fait. Alors pas avec tous leurs points de vie quand même, ils vont pas non plus complètement abuser, mais ils s'enlèvent avec midlife je crois, un truc comme ça. Donc, c'est largement assez pour casser les noix. Alors je vous spoil, hein, je vais mourir avec un ennemi qui va se taper directement sur ma mouille. Ou pas d'ailleurs. Ok, donc vous pouvez être good or evil sur ce que vous voulez faire. Donc good c'est quoi? C'est pour avoir plus de loot. Et evil ça va augmenter de 0,5 la difficulté.
revolver, j'aime pas trop. Donc là, j'ai un double dégât qui me sert à rien. Donc là, très joli, ouais, c'est pas mal ça. Enfin, surtout, c'est pas mal, et puis j'en avais plus de toute façon. Autant en prendre, hein, peu importe ce que c'est. Donc là, l'espèce de relique que je viens de récupérer, on peut en avoir une en fait par une à la fois. No way. Bon, les musiques elles sont pas ouf hein, quand même. Ok. Quel moment foiré. Ah, j'ai même pas level 1 et puis il manquait 129 d'XP, je suis dégoûté. T'as 129 d'XP quoi. Oula, c'est quoi ça, Herald? I believe, thank you, Sinner, you're welcome, non, il n'a plus de plaisir. Sachant qu'il y a aussi un mode speedrun dans le jeu qui est intégré pour virer tous les dialogues et tous les trucs comme ça en fait, pour vraiment bourrer comme des fous quoi. Il est pas vraiment sympa ton chat avec clairement. Ok, donc là plus 0,5 la difficulté, donc je suis à 4,7, hein, tout va bien. Quoi, celui-là il fait pareil, nanana. Il y a des dégâts physiques, ouais, mais alors je sais pas trop. Ah merde, mais je peux pas l'achever là. Ah ouais, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'avais pas réussi à trouver par où fallait aller en fait. On va essayer de trouver ce coup-ci. Oh merde! Oh là 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 là, oh là là là, mais non, mais non. C'est cool les devs quand ils sont encore en dev, il y a plein de trucs pas prévus, ouais. Mais pourquoi j'ai pas d'âge? Mais purée. Purée, purée. Ah oh, mais non, oh, tellement nul ce que je viens de faire. J'ai tellement mal joué. Ouais, ils sont infâmes ceux-là avec leur boule.
Oh non, mais arrête, s'il te plaît. Yo Christophe! Les changements sont pas fous. De quoi parles-tu, Krim? Ah putain, j'ai 500 balles d'assaut et... Shotgun, mec, tout au shotgun. Hein. Ouais, fait que je... Bah déjà, j'ai un... J'ai un pistolet mitrailleur, je pense, si je l'utilisais, ce serait... Mais j'aime bien en fait le double flingue des balles, je trouve ça clair. Bon là par contre, hein, peut-être pas trop abusé non plus. Ouais, du coup, vous pouvez voter, c'est quoi, Good, j'aurai un Ringgun et. Et Evil, j'aurai les cooldowns allongés, ça c'est moche. Là, t'as encore la M15, donc compte pas trop dessus. Attends. Best weapon in game, il meurt, welcome, mais il l'a pas, faut qu'il aille dans le menu. Bah ouais, mais ça va être DPS merdique. Vu qu'il sait pas en roguelike et que tu fais juste l'histoire. Ouais, peut-être, mais bon. Yo Mortalis, comment ça? Ouais, nickel, nickel. Alors, si vous avez des questions sur le jeu, hein, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Ouais, mais du coup, là, j'ai vraiment que le stuff de base parce que j'ai jamais. Bah, j'ai pas encore eu Game Over, donc je suis pas reparti au menu. Et du coup, j'ai absolument rien débloqué. Wouah! Bon, voilà, bien joué. Je vais me faire un peu découper en deux là. Bon, là, par contre, faut pas que je meure parce que si je meurs, j'ai Game Over. Alors, vous me direz, ce sera l'occasion d'aller choper des upgrades, mais. Tu fais que ce menu après chaque level. Ouais, je sais, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de péter la progression. Enfin, péter la progression. Hein. J'ai pas envie de faire de pause en fait, on va dire. À quoi que je pourrais le faire au pire. Vous connaissez l'histoire du mec qui grid comme un fou et qui va finir par mourir bêtement? Et je l'ai trouvé la boutique à ce niveau-là ou pas? Il me semble pas. Hein. Ah non, elle doit être tout à gauche, mais je sais pas comment on y va tout à gauche. Où faut passer pour aller tout à gauche. Il y a quand même un game over en fait. Ouais, bah clairement quoi. Je veux dire, là tu joues diff 4. Bah ouais, ça augmente au fur et à mesure quoi. C'est pas un craint. Les kunais à côté de la barre de vie, c'est les points de vie supplémentaires. Ouais, le mec qui ramasse pas les armes dans les placards. Bah c'est pas que je ramasse pas, c'est que là j'ai 443 en assaut rifle. J'ai pas envie de changer mon assaut rifle contre un autre truc. Hein. Parce que là pour l'instant je peux pas en avoir plusieurs, hein. Je peux avoir juste deux armes en fait.
Là, jusqu'à présent, dans les placards, à chaque fois, il me demande si je veux échanger avec l'arme. Putain, je sais pas par où faut. Ah, ça c'est cool ça. Ok, cool. Ouais, hop, je me casse avant notre grid. Franchement, j'ai tout vidé là donc. Ce slot d'armes aurait été regardé pour le shotgun. Jusqu'à la fin du jeu, tu n'auras pas de slot d'armes. Je crois que tu es tombé pleinement amoureux du shotgun. Bon. Il y a combien de monde d'ailleurs, Christophe? Vu que t'as l'air d'y avoir joué. Alors, je peux avoir un nouveau manual blessing. Je vais prendre les points de vie. Hein. Les points de vie, c'est cool. Tu es trop dernier monde. Hein. D'accord. Alors, attendez, 7 kits. On va aller voir pour débloquer les trucs. Alors. Alors, c'est en quoi? C'est en option, peut-être? Option, on n'a rien à voir. Et on. Ah, to play en fait. D'accord, upgrade. Ouais, c'est pas trop logique que ça soit ici, upgrade, mais bon. Si tu chattes avec le Herald, t'es pas loin du boss final. Ah, d'accord, genre. Allez hop, upgrade. Alors, c'est quoi ça? Attache connectée de chat, tu offres, tu actives them. Hein? It's an agent turn demonic body part into powerful new miracle, weapon and player. Non, ok, ouais. Alors attendez, faut que je comprenne comment ça marche. Laisse tomber, le menu est stupide, ouais, j'avoue que c'est pas. Alors attends, je peux crafter Demon Sight. Alors ça fait quoi ça? Unlock Demon Sight, allowing itself to see and collect various materials from the corpse of the. D'accord, donc avec ça apparemment je peux récupérer des bouts de démons pour crafter de nouveaux trucs. Ouais. Tu réfléchis pas, tu achètes des Demon Sight, ça aussi est stupide. Et là du coup c'est quoi en fait? Tiens, skill Splitfire, damage from dual wheel. D'accord, donc là si j'attaque deux cibles différentes, j'ai des trucs augmentés. Là j'ai plus de chances de faire des. Ah oui, c'est monstrueux, ça se fait des critiques en plus. Hein. Et ça, il faut faire quoi? Il faut que j'ai 10 shards rouges en fait. Ça te fait croire que c'est pas. Oui, non, mais j'imagine bien que c'est pas optionnel, parce que du coup, sinon. Sinon, oui, j'ai pas. Sinon je pourrais pas crafter en fait quoi. D'accord, et maintenant voilà, maintenant je peux crafter des trucs en fait, ok. Mais sauf que du coup je peux pas les crafter parce qu'il aurait fallu que je débloque Demon Sight bien avant en fait. Ok. D'accord, donc de base en fait on a tous les trucs MK1 et après avec les composants qu'on va récupérer, on va pouvoir crafter les autres trucs bien plus puissants en fait. Pourrait débloquer aussi des. Ouais, d'accord. Ok, je vois. Bah, en fait, ouais, du coup, c'est bizarre. Oui, je comprends pas trop pourquoi tu collectes pas les trucs dès le début, en fait. Ça te fait presque tout le jeu sans rien looter. Ouais, bah ouais. Alors que c'est con, en fait, parce que du coup, au contraire, c'est rigolo de pouvoir looter des trucs, quoi. Ouais, je vois pas. Je comprends pas, là. Là, pareil, en fait.
Les miracles, en fait, je pensais avoir des nouveaux miracles, mais en fait, non, quoi. Un peu bizarre, en effet, quoi. Ouais, non, non, c'est pas une défense qui... D'accord. Ok, donc avec ça, par contre, je vais augmenter. Mais je vois même pas combien ça coûte, en fait, les trucs. Ah si, ça coûte peut-être 1 à chaque fois, en fait. D'accord, et donc là, c'est pareil, en gros... ok. Peut-être faut que je mette des points là-dedans pour pouvoir débloquer des trucs plus loin, quoi. Ah d'accord, en fait tier 1 c'est common, tier 2 c'est uncommon, et ainsi de suite j'imagine. What? Quoi, je... Attends, je comprends rien. Alors attendez, là je suis là et en fait dedans je peux mettre des shards. Ah oui d'accord, j'ai des shards, j'ai que des commons en fait, ok. Et je peux combiner 3 commons en 1 uncommon en fait. D'accord, donc là je peux mettre une uncommon ici. Ok. Ouais, c'est. En fait, c'est plus vite sur Mumble ou en Skype. Oui, non, mais j'imagine bien, c'est vrai que là du coup il y a un. Oh, okay. Non, mais ça se comprend, hein, mais oui, non, je vois pas trop pourquoi ils ont fait. Pourquoi ils ont fait ça comme ça en fait, quoi. Alors attendez, il y a un défensif, donc là je peux récupérer plein de points de vie. Ce qui est pas mal, hein. Et en holy, il y a quoi? Ni acheter stopping. D'accord, donc là ils peuvent lâcher plus de loot, on va dire. Et là maintenant je peux faire des dégâts en. Ok. Du coup, je pourrais mettre des dégâts en. Ouais. Le jeu insiste pour compter en shard value au lieu de compter en shard. Ouais, c'est. Il complique beaucoup de choses pour pas beaucoup en fait, quoi. Ok. Trois shards pour assembler un common shard, etc. Ouais, ce que j'ai vu, ouais. Non, mais une fois que tu le sais, après, c'est. Bon, je vais pas dire que c'est logique, hein. T'es pas abusé non plus, mais disons, ça va, quoi. Bon, allez, hop, hop, tac, en défensif. Pas tout ça. Ok, d'accord. Bon, du coup, j'ai plein de trucs. Ok. Mais alors, par contre, ah non, ok, non, ça va. Ça avait pas été débile au point que l'autre c'était un miracle, le truc. Ok. Et challenge, c'est quoi? Talala, challenge, kill 50 démons à face à Stem Impossible, dadadana. Ok, d'accord. Et puis y a des modifications dans le challenge en fait. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, on continue. Il n'y a pas d'autre miracle que Orb et Repel actuellement. D'accord, ok. Il faut faire comme si t'allais investir pour voir ton inventaire de shards. Oui, c'est vrai. C'est vrai que oui, sur l'interface de base, tu le sais pas en fait. Faut que tu cliques pour que ça affiche combien il t'en reste. Bon bah du coup, c'est bien. Je vais pouvoir looter des bouts de démons maintenant. C'était quoi ça? Ah, j'ai un Raygun M15 maintenant. Et tu Ça te dérangerait de me laisser tranquillement récupérer mes trucs là? Ok.
Le truc que je reproche à ce niveau-là, par contre, c'est le fond. Vous voyez, le fond, il y a du et des flammes. Et avec les ennemis qui font du feu, je trouve que ça se confond vachement. Mais tu peux le détruire s'il te plaît au lieu de faire n'importe quoi. Oh non! Putain. Je préfère te lancer en ce important, tant que t'as pas récupéré le pick-up checkpoint dans un niveau, tu n'as pas débloqué le niveau. C'est-à-dire que sur un continu, tu repars beaucoup plus loin dans la storyline, aussi loin que le dernier checkpoint paraissait. De trouver la salle secrète, chez le checkpoint. Ouais, mais j'en ai trouvé plein des checkpoints déjà, ouais. Ah oui, tu veux dire que là, si jamais je meurs, il faudrait que je me retape le niveau d'avant pour avant d'arriver à celui-là, en fait. Bon après de toute façon c'était juste un stream découverte hein, ça fait déjà plus de 2 heures que je joue. Donc au pire de toute façon si je meurs je pense que je m'arrêterai là pour ce soir, on a déjà vu une bonne partie du jeu. Mais en tout cas j'aime vraiment bien. Hein. Enfin le gameplay en tout cas il est vraiment cool quoi. C'est super dynamique, c'est vraiment plaisant à prendre en main. Ouais, mais bien sûr. Oui. Après, clairement, il y a quelques problèmes de... Enfin, quelques problèmes. Il y a des problèmes de lisibilité dans le décor. Hein. Il y a des fois où c'est pas trop si c'est du décor ou si vous pouvez passer à travers. Mais le jeu lui-même est en plaisant quoi. L'ambiance du jeu et tout, mais putain, il y a du boulot en ergonomie menu, c'est chaud. C'est en partie pris sur les sauts aussi, j'aime pas trop. Ouais, les sauts ils me dérangent pas, moi. Ok, donc là, en train de me dire que si je voulais, je pourrais crafter la désintégration. Mais non, putain voilà. Ça typiquement c'est le genre de truc, toi j'ai voulu dasher et j'ai pas fait gaffe que le machin là, bah ça faisait partie du décor que je pouvais pas traverser quoi. Il y a aussi le fait que je me gourde de boutons. Mais non. C'est tellement mauvais comme ça. Sur un joueur de jam, ils sont parfois très forcés. Ah, moi, il y a un truc par contre que j'aime pas, c'est quand t'es accroché. Quand t'es accroché, tu peux pas te décrocher directement. Et des fois, toi, quand t'es accroché, genre comme ça, enfin, plutôt le faire ici. Merde. Quand t'es accroché comme ça, que t'as un ennemi qui vient de gauler, t'es dégoûté de pas pouvoir te décrocher directement et te laisser glisser quoi. Bah, Regan, c'est de la merde. On va pas se mentir. Voilà, le fusil d'assaut sera toujours mieux. Ouais, tu me diras, c'est toujours moins moisi le Regan que les pistolets.
Oh là là, oh là là. Mais putain. Purée. Voilà, donc là c'est typiquement ce que je viens de dire. Néanmoins, j'étais accroché à la. À la corniche. Je voulais pas. Hein. Comme ça au moins. Amethyst coins, y'a quoi? Quoi? Ouais voilà. Bah j'ai switché un peu l'autre, y'a quasiment plus d'endurance dessus donc je prendrai le double dégât à la fin évidemment. Et double dégât, c'est parti. De prendre tous les tirs du monde. Bien joué. Bien bien joué là le saut. Ah bah bien sûr ouais. S'il n'y avait pas un petit coffre au fond là. Bon, bah non. Les rollers forment, faut m'attraquer à tous les tirs, oui, ce que j'ai vu, mais du coup c'est pas évident quand. Le gars va finir le jeu sans choper une seule crêpe, bah. On va essayer, ouais. Bah j'ai quelques petits passifs quand même là. Il y a un truc qui manque aussi dans le jeu, c'est une carte. Une carte de ce que t'as déjà visité. Ça, c'est vraiment un truc qui me manque dans ce type de jeu en fait. Surtout qu'évidemment, dès que t'es dans un environnement où tout se ressemble, je trouve pas ça évident de savoir où t'es déjà passé et où t'es pas encore passé quoi. Je suis monté à 3,88 donc le plus 5 m'aurait 1000 hein. D'accord. En fait on a fait une fois un vote à plus 0,5 quoi. Bien que moi j'ai jamais atteint une 4, une putain de map ouais, mais clairement la map il manque vraiment ça quoi. D'accord, il y a des double élites pas mal de fois, il y a au moins deux fois double élite. Ouais. Encore deux niveaux en comptant celui du boss, d'accord. Mais putain non. Ah non ça je suis pas d'accord là. Moi je vais bien me prendre des dégâts mais quand ils sont visibles hein. Quand tu marques des. Quand tu mets des flammes qui sont derrière les derrière le décor, je dis bon quoi.
Mais non, mais putain, pourquoi j'ai fait ça? Ouais, faites vos choix, messieurs. Je peux avoir quoi? Je peux avoir un Ruby Ring ou alors je peux avoir. Ok. Ou alors je peux perdre mon fusil d'assaut. Très bien. Déconnez pas. Il y a un truc aussi que j'aime pas trop, le fait que le switch d'armes soit le même truc que les coffres. Et des fois, tu veux ouvrir un coffre, ça marche pas, et du coup, ça switch ton arme et tu te retrouves comme un con, quoi. Très bonnes idées dans le jeu, le coup des higher modes. Ouais, non, il y a vraiment plein de trucs cool, hein, honnêtement. Puis ça se joue vraiment super bien, hein, surtout ça qui me plaît en fait, quoi. Là, je level up, non? Ah non, c'était le coup d'avant, il me manquait 130. Hein. Cool, level up. Et si il manque aussi une barre d'XP en jeu, t'as du mal à voir où t'en es dans ton XP. On va continuer là-dessus, on verra bien. Papapap. Oh, vu qu'il y a un good, hein, il vole, non, c'est good qui prend la main. Alors, Fanny, you have... Right, non. Le ring, il fait quoi celui-là? Bah, je sais pas s'il fait des dégâts physiques ou des dégâts magiques, le boss, quoi. Dans le doute, on va prendre celui-là, mais. C'est le dernier niveau, d'accord, ok. Ah, ok, le volant. Oh merde! Il y a beaucoup de points de vie, non, monsieur, là. Putain. Oh la vache. Mais non, mais pas le sens là, mon goyen. Magique comme tous les monstres ou presque. Ah, dommage. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi il m'a attiré? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est bien bugué en fait. Et du coup là, la porte elle s'est fermée donc je peux plus y aller. Bah là je t'avoue que j'ai moins qui me téléporte parce que sinon je suis bloqué comme un con. Hein. Allô? Ah mais il reprend pas toute sa vie en fait quand tu meurs. Ok. On va relancer.
Alors je fais les transmutes, non, c'est ça? Ok, auto-pistol, regain, ouais. Non, en vrai, on s'en fout, on va y aller. Continue. Game breaking bug à la fin du jeu, j'ai. Enfin, peut-être pas game breaking avec la chance, ouais. Par contre, là, j'ai quoi du coup comme, comme arme? Donc, on a dit. Attends, c'est quoi hein? Ouais. Ah, mais du coup, il m'attend ici, lui, maintenant. Ok. Mais merde. Honnêtement, j'ai l'impression de rien pouvoir esquiver quoi. C'est assez désagréable. Quoi non? J'ai rien compris. Ah mais en fait il est tout bugué là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que je veux plus les tirs en fait. Merde. Ah non, c'est pour switch. Bon bah écoutez, c'est légit ou pas? Passons lui faire les patins de boulettes, ça laisse penser qu'il peut passer au travers, c'est pas le cas. Tes portes, qu'est-ce qu'il y a? Sac et one shot, t'es pas en jeu, fix boss, c'est non plus. J'ai niqué sur un boss, c'est un bug scandaleux. Pas du tout légit. Tu as besoin d'un next level de streamer. C'est une partie de ses points, notamment celui qui ne pouvait pas voir, celui qui oui non mais c'est clair qu'il fait mal encore en vote. Bah je sais pas, ouais c'est bizarre. Ah bah non c'est fini là. Votre time remaining 11 machin, 7 kits. Ouais donc non c'est fini quoi. Après j'attends la fin du vote hein, mais je pense que... Pourquoi continue. Mm.
Non, ici tu vas mettre le nain. Ok, dans Slur, Blink. Ah, tu peux l'avouer maintenant, Christophe, t'as pas poussé le boss en fait pour ça. Ah, mais j'ai plus de barre de vie. J'ai plus de barre de vie et je suis repassé level 2. Ah, en fait, y'a tout qui est bugué là, c'est la fin là. Là, le jeu il en peut plus là en fait, y'a plus. Y'a tous les fixes qui sont plantés. Ouais, non, bah du coup, on va t'arrêter là parce qu'il faut que j'en lance le jeu. Donc, Ok, bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Mais en tout cas, vraiment, très très agréablement surpris par le jeu. J'ai beaucoup aimé. Hein. Clairement, j'ai trouvé ça super sympa. Enfin, ouais, ça bouge vraiment bien. C'est ultra péchu. Alors. Dans les regrets, c'est vraiment des problèmes de lisibilité au niveau des. Bah, justement sur les niveaux, et des fois où j'ai du mal à voir si je pouvais passer ou pas, quoi. C'était. Voilà. Après, il y a les menus, clairement. Les menus sont habitables hein, actuellement. Enfin, déjà, je comprends pas pourquoi de base tu peux pas looter des morceaux de démons. Enfin, je vois pas pourquoi c'est un truc à débloquer. Enfin, ou alors, je vois pas pourquoi tu le débloques pas automatiquement, quoi. Parce qu'en fait, quand tu l'as pas, bah c'est con, tu peux pas crafter, donc c'est un peu étrange. Mais voilà, bon, en tout cas, ouais, pour un Early Access, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment, vraiment cool, quoi. Et effectivement, ouais, les upgrades, il faut aller simplement dans les menus, dans les transitions, pouvoir y accéder directement, quoi. C'est un peu dommage de devoir sortir pour aller faire des trucs pour revenir après, quoi. Mais par contre, lui, le craft, c'est n'importe quoi, hein. Je vois vraiment pas l'intérêt, quoi. Alors l'interaction avec le chat, ouais, c'est pas ouf quoi, le petit plus, le petit moins, c'est pas... Ça aurait pu être mieux, mais bon, c'est pas trop mal on va dire. C'est un petit... c'est rigolo quoi, mais... C'est vrai que c'est pas une feature à vraiment mettre en avant non plus quoi. Bon bah écoutez, bah nickel, bah là-dessus je vais passer un petit peu sur du Diablo 3. Pour farmer un peu, pour tenter des Greater Rift. Je vais te faire des choix forts avant de jouer, je suis ok. Alors,